Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on quitte Melun pour traverser la forêt de Fontainebleau et une petite partie de la France. On va descendre à Clermont-Ferrand, rejoindre mon pote Gérald pour une petite scène ouverte. Voilà, ça change parce qu'on ne fait pas des choses que en Seine-et-Marne ou à Melun. Voilà. À un moment, si on veut être président du monde, faut conquérir le monde. Voilà, bah, on va commencer par la France. Direction Clermont-Ferrand. Allez hop, 4-5 heures de route et on sera avec mon grand pote Gérald. Ah, sous la pluie, sous le soleil, on est toujours en train de descendre vers Clermont-Ferrand. On va traverser la forêt de Fontainebleau. C'est le premier petit voyage que je vous filme. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. On va essayer de vous faire une petite vidéo sympa. Bah, profite bien du paysage. Sous la pluie, ou le soleil, la vie c'est toujours pareil. Par vagues successives, mais je sais pas si vous voyez comme le ciel est épais. Ah ouais, là on peut dire il pleut. Les giboulées de mars, on est au mois de mars, bah ça giboule. Voilà. Là je suis à 300 km de Clermont-Ferrand et c'est les giboulées. Aïe aïe aïe. Là, on voit la belle nature française. Que des champs. Il n'y a plus de forêt. Si, il y en avait un peu avant dans la vidéo, mais c'est la forêt de Fontainebleau. C'est une forêt aménagée. C'est de la merde. Non, j'adore la forêt de Fontainebleau. Après, on va dire je critique tout. Et voilà la nature française. Que de la monoculture. On a l'impression d'être dans le désert. Heureusement, il y a quelques arbres pour faire la déco, vu que c'est l'autoroute des arbres, normalement. Je vais essayer de vous filmer le panneau pour le mettre dans le montage. Orléans, Montargis. Ah, on arrive dans la Bourgogne, une de mes régions préférées. Regardez la quantité d'eau qu'il y a sur la route. C'est un délire. Comme je disais tout à l'heure, on est sur l'autoroute des arbres, donc là c'est l'aire du jardin des arbres. C'est un peu du foutage de gueule. Là ça c'est un pont pour les animaux. Ouais, on en arrive à un point, il faut des passerelles pour que les animaux puissent se promener dans leur territoire. C'est assez rigolo, enfin moi ça me fait un peu rigoler. Ça c'est l'aire du jardin des arbres. Ouais. Un jardin pour faire le plein. Vivement qu'il y ait des autoroutes pour vélo en France. Normalement, il est censé en passer une à Melun, mais bon. Voilà. L'air des arbres. Le jardin des arbres. Magnifique. C'est beau. Du grand art. Ouais, je vous mets le petit panneau qu'il y a. Enfin, l'espèce de sculpture. J'imagine que le mec qui a créé ce concept doit avoir fait fortune avec ce concept. De ce petit panneau, de cette espèce de truc ridicule là, qui symbolise un arbre, magnifique. Je vais essayer de le prendre en photo à un moment, parce que peut-être si je cale une photo, ce sera plus propre. Ouais, c'est magnifique.
ces belles autoroutes françaises. Là, c'est de la belle infrastructure, il n'y a pas à dire. On peut se rendre vite d'un point à l'autre de la France. C'est un peu cher, mais bon. Là, on a quoi? Un pin pleureur. Ah ouais, l'autoroute des arbres, je vous avais dit. C'est magnifique. Cultive-toi en prenant l'autoroute. Ah voilà, là on revoit ce beau logo, là, magnifique. Vous voyez sur la gauche ce bel arbre. Ah ouais, il y a du boulot quoi. Le mec, il a dû faire au moins un bac plus 10 en dessin, ou il doit avoir un doctorat en graphisme, ou je ne sais pas. C'est magnifique. Du grand art. Hop, un autre pont pour les animaux, pour qu'ils puissent se promener dans leur territoire sans danger, qu'ils puissent traverser l'autoroute. Bon, on leur a fait des fléchages dans la forêt. Ouais, si tu veux aller dans le reste de ton territoire, passe par là, mon pote. Et ça, c'est celle pour les voitures. Ouais. Ouais, parce que les bouts de territoire de l'animal, ils sont un peu entrecoupés de route quand même. On n'a pas trop travaillé le délire pour optimiser. Tiens, tu vois, il y en a encore un là. Je sais pas s'il a été payé au nombre d'arbres produits, mais si c'est au nombre d'arbres, le mec, il a dû se faire un beau billet quand même. Je sais pas combien... Il y a une petite société de travail du métal aussi qui a dû se mettre bien. C'est beau la France. J'adore. Ouais. Avant, il y avait des canaux, ouais. Rony les 7 écluses. Maintenant, il y a des camions, tu vois. J'en suis un. Là, un camion, ça roule à 90 km/h max. On est à presque 100 km/h et je peux pas le doubler. Hein. Ouais, vive la France. Youpi, je vais être obligé de pousser pied dedans pour le doubler. Vas-y, on double un camion. Wouah, vidéo de Colin qui double un camion avec son camion. Hop, clignotant. Wouah. On est pied dedans. Et hop là. Attention. Wouah. 102. Ah, combien faut que je monte pour le doubler? Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, il y a encore beaucoup d'eau sur la route quand même. Même si ça s'est un peu calmé, le ciel est bien épais. Youpi! Ouais, vous avez la vidéo où on double un camion, quoi. La classe. Ah ouais, on est à 105 km/h, 110 au compteur presque. Oui, comme quoi le compteur est pas trop faux quand même. C'est de la belle mécanique. On est à combien? 261 000 km. Hein? Après, on va me taxer de pas être écolo avec mon camion. Bah, quand même, hein? 1992, 261 000 km. Et ça tourne comme une horloge du pur bonheur. Bon, juste, j'ai le régulateur de charge qui déconne. Du coup, ça me dit que j'ai un problème de batterie, mais en vrai, j'ai pas de problème. Les phares sont allumés, la lumière tourne, la musique tourne, tout tourne, on s'en bat les steaks. Tiens, regarde, encore un pont pour animaux. C'est pas mignon. Oh, regarde, comme ils sont gentils, ces petits humains. Ils pensent aux quelques animaux qui restent. Hein. Je suis pas fort en chiffres, mais je crois que les espèces sauvages représentent 20%, un truc comme ça, des espèces animales. Ouais. Des animaux sauvages, je vais dire. C'est ça la France. Et malheureusement, c'est un peu comme ça partout dans le monde. Là, tu te dis, oh, une forêt. Mais vu que c'est tous les mêmes arbres plantés à la queue leu-leu, ça s'appelle une exploitation forestière. Et c'est pour faire du bois. C'est pas la nature, c'est à la Zouma qui plante et qui choisit les arbres. Vas-y, on se double un deuxième camion. Je suis chaud, j'attends que l'autre voiture elle me double. Oh, je vais attendre que l'autre voiture elle me double. C'est Dr Slow, les mecs. Hop là, on arrive à Bourges, Vierzon. Ah ouais, petite traversée de la France, direction Clermont-Ferrand. On est chaud bouillant, ça roule ma poule. Lui, il doit vraiment rouler à 90. Contrairement à l'autre. Direction Nevers, Nevers-Manicourt, tu connais? Eh oui. On est sur l'A77.
représente le 7-7. Ah ouais, c'est mon autoroute. Hein. L'autoroute de la Bourgogne. Direction les volcans et les montagnes de Clermont-Ferrand. Alors, ça c'est la France, tu vois. Ça c'est un pont pour personne. Ouais, la France c'est le pays des ponts. On fait des ponts formidables. Tu vois, et c'est un truc fini. Il n'y aura jamais de route qui passe dessus. Ah, c'est beau la France quand même. Tu as les beaux projets. Il y en a plusieurs sur cette route-là. Là, on est sur la N7. La N7, c'est pour moi une des plus belles nationales de France. C'est la nationale de Bourgogne. Elle passe à Corbeil aussi. Enfin, pour moi, c'est une très belle nationale, la nationale 7. Encore la belle nature française. Ah, c'est beau tous ces champs. Hein. Vu que c'est la fin de l'hiver, qu'on est au milieu du mois de mars, bah y a rien qui pousse évidemment, pas grand chose. Du coup c'est le désert, vous pouvez voir cette terre, même s'il pleut, elle est pas terrible quoi. C'est pas GG non, c'est moche la France. Aïe aïe aïe. Monoculture, agriculture intensive. Je sais pas si vous voyez à droite à gauche dans le champ parce que c'est quand même un peu loin. Mais il y a tous les systèmes d'arrosage et pour mettre les produits chimiques et pour faire de l'intensif. C'est beau, c'est de la haute technologie. Ouais. Industrialisation à tout va et on nous demande de travailler plus vieux, de travailler plus longtemps, de travailler tout le temps, de faire plus d'heures, moins payé, qu'on n'est pas rentable. Alors ça sert à quoi toutes ces machines si on n'est pas rentable? Alors on passe au-dessus de l'Allier. Voilà. À une époque on transportait tout par ces fleuves. Et maintenant on est sur la route, je sais pas combien de dizaines de camions j'ai croisé, suivi, doublé aujourd'hui. Ouais, oui. Sur des routes pas du tout adaptées aux camions, tu vois là. Là, j'en suis un, la route est à peine assez large pour lui. Ouais. Il n'y a aucun aménagement pour les cyclistes. Non, c'est horrible. J'ai un peu mal au cœur. Voilà. Ah, il y a une autre spécialité en plus des ponts qu'on voit au loin en France, c'est les ronds-points. Putain, il y en a partout. Ah, j'ai cru qu'on arrivait sur un rond-point. Non, on va arriver sur le péage pour Clermont-Ferrand. Ouais, dernier péage pour Clermont-Ferrand. Youpi! Et encore un pont. Ah, je vous ai pas filmé de rond-point parce que les ronds-points, c'est galère à filmer. Évidemment, c'est plus pratique avec les deux mains pour passer un rond-point et j'ai pas de système pour coincer la caméra dans le camion quelque part. C'est à étudier si on fait un peu plus de route. Ouais. Vive la France. Voilà, on doit avoir un élevage avec quelques vaches. De toute façon, les vaches, ça se fait à la centaine. Hein. Si t'en as pas 200 ou 300, tu t'en sors pas aujourd'hui. En même temps, l'élevage, à quoi ça sert, hein. On va aller prendre la 71 et quitter cette belle National 7. Parce que je pense qu'on est toujours sur la National 7. Je voudrais pas dire de conneries, mais... Ah non, on est sur la 79, bon, c'est pareil, on s'en fout. Regardez comme c'est beau la France, hein. C'est la nature, on nous dira. Ouais, un peu domestiquée la nature quand même. Ouais, c'est la nature relative, la nature manipulée par l'homme. Que des pâturages et des champs à perte de vue. Quelques bosquets quand même, parce que s'il n'y a plus de bosquets pour que les animaux se cachent, les chasseurs, ils n'auraient plus rien à chasser. Il y a quelques forêts, quelques petits coins de forêt, mais souvent c'est des coins de forêt privés qui sont fermés, où les animaux sont reproduits, des fois même artificiellement. Ouais. Où les chasseurs viennent se faire leur petit moment d'aventure, comme s'il y avait encore de la nature naturelle en France. Ah là, on a des belles vignes. Je n'ai pas filmé de vignes aujourd'hui. Ouais. Petite vigne.
Ah bah avant en France, des vignes, il y en avait partout. Partout. Parce que le vin, c'est une bonne boisson. La France, c'est un peu le pays du vin. Il n'y a pas que le Bordeaux. Même moi, à vrai dire, c'est un vin que je n'aime pas du tout. Et comme c'est beau la France. Oh, là-bas, ça doit être encore un élevage. De toute façon, en France, à part des champs, des élevages et du pinard, dans la campagne, il n'y a pas grand-chose. À part si le terrain est trop accidenté pour arriver à mettre des machines, auquel cas là ça a été un peu rendu à la nature parfois. Mais oui, la France étant un pays globalement plat, on cultive. Ouais, faut bien nourrir tous ces animaux. Et je parle pas que des humains. Je parle des vaches, des cochons, des poulets, des brebis, tous ces animaux sélectionnés par l'homme, incapables de vivre sans l'homme, ce qu'on appelle la nature. À la campagne, vous allez voir la nature. La nature, je sais pas. Enfin, c'est de la nature quand même, hein. Mais elle est un tout petit peu manipulée par l'homme quand même. C'est pas de la nature sauvage. Non, pas vraiment. T'as encore des champs. Des hameaux vides. Là, je suis sûr que la moitié des maisons, il n'y a personne qui habite dedans. Ouais. Après, on a des problèmes de logement. Il est temps qu'on décroisse et qu'on retourne dans les campagnes, quand même. Il est temps. Ah, je refais un petit plan parce que là, il y a enfin un peu de soleil, même s'il continue à pleuvoir. Et je trouve que le ciel est magnifique. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces petits nuages, toutes ces bandes, tout ça, c'est beau. Ouais, moi, je suis assez fan. Ouais. Mais toujours des champs avec trois arbres, souvent des exploitations forestières, évidemment. Voilà, il y a du vent de fou, je sais pas si vous rendez compte à l'image, mais ça souffle de fou. Si on investissait autant dans le vélo qu'on investit dans la voiture et les camions, franchement, il y aurait des autoroutes à vélo dans toute la France sans problème et toutes les villes seraient aménagées. On pourrait mettre un peu de cet argent dans le ferroviaire ou le fluvial au lieu de construire toujours plus de routes pour les camions, pour les voitures. Alors je sais que sur Melun, certains me diront que moi je suis pour le contournement. Oui, je suis pour que les routes à camions ne passent pas dans les centres-villes. Mais je ne suis pas non plus pour qu'on rajoute des autoroutes à tour de bras de partout. C'est une horreur avec des gros centres logistiques là qui sont au milieu de nulle part pour charger et décharger des camions. Ah, on est au milieu des champs. Et là, il y a un énorme entrepôt, tu vois. Donc, j'imagine que les gens de la région doivent accepter des petits salaires pour bosser là. Bon, allez, on va prendre l'autoroute encore une fois, on va payer. Bon, allez, un petit péage. Bon, allez, voilà. Alors, encore beaucoup de bruit à cause du vent, mais là, on arrive dans la région des volcans d'Auvergne. On commence à arriver en Auvergne, on voit un petit peu, c'est plus vallonné, c'est plus sympathique. On voit qu'il y a des coins de verdure à droite à gauche, là où l'être humain n'arrive pas vraiment à exploiter. Et encore, quand on regarde, ça a quand même l'air d'être de la monoculture d'arbres pour changer. Vive la monoculture, quand on n'est pas à la meilleure saison pour s'en rendre compte, mais là on est encore au milieu des champs, on a un petit rayon de soleil, même si c'est un peu noir à l'horizon. Ah, c'est beau la France. Dernier arrêt avant Clermont.
l'air des volcans d'Auvergne, histoire d'avoir une petite vidéo de ce point de vue sympathique. Là, c'est l'escalier qui mène au point de vue. Tadam! De retour dans le camion pour les derniers kilomètres, on repart de l'aire des volcans d'Auvergne, voilà, on va aller au cœur des volcans d'Auvergne, à Clermont-Ferrand, pour une petite job session. Ah, plus que quelques kilomètres avant l'arrivée, une petite quinzaine de kilomètres, on est dans les volcans d'Auvergne. Ah, c'est un peu plus vallonné. Bon, il y a des travaux pour changer. En France, il y a des travaux partout, tout le temps. Ça, c'est un truc, ça doit être une maladie. Tu vois. Il faut 10 ans pour faire un truc. Des ponts, encore des ponts. Et des anciens volcans, tout éteint et tout calme, qui font ce relief vallonné, que je trouve fort sympathique quand on sort de l'autoroute. Parce que là, au bord de l'autoroute, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique, mais... Ouais. Qui dit autoroute, pont et tout ça, dit graffiti, vous en voyez de temps en temps. Ah, c'est beau la France. Des travaux, des travaux. Croyez qu'un jour on arrêtera de faire des travaux, qu'on fera juste un peu d'entretien, parce qu'on aura fait des choses adaptées et durables. Aïe aïe aïe. Oh, encore un pont. Vous croyez qu'il y a des graffitis sur celui-là? A priori, il a l'air tout neuf, parce qu'il est déjà repeint. Non, pas encore. Il est trop jeune. Ah, faut au moins qu'il ait un ou deux ans d'âge quand même. Hein. Non, même pas. Tiens, et là on a encore une belle passerelle pour les voitures. Et des ponts, et des ponts. Et des ponts, et des ponts. Ah, si seulement on faisait autant de ponts pour relier les gens que pour passer au-dessus des routes et au-dessus des rivières. Ah, celui-là, il y a quelques graffitis. Oh, vous n'aurez pas le temps de les voir. Ah, c'est beau la France. Un des premiers pays en termes de street art. Faut le préciser quand même. Ah, c'est beau. Et là-bas, il y a un théâtre en forme de volcan, enfin une salle des expos ou je ne sais quoi, espèce de zénith à la con, en forme de volcan. Ouais, parce que comme on est au milieu des volcans d'Auvergne, faut que la salle ait une forme de volcan. Je sais pas si c'est très fonctionnel, je ne connais pas cette salle et ce lieu événementiel, mais je ne sais pas si ça a un grand intérêt. Et des travaux, des pelleteuses. Ah, j'en connais un qui serait content. Des belles pelleteuses de partout. Hein ? Elles sont pas magnifiques. C'est beau la technologie, ce que l'humain arrive à faire. Moi, ça m'épate. Là, je vous montre un peu mieux la salle en forme de volcan. C'est pas beau, ça ? C'est une halle de je sais pas quoi. Avec un beau parking vide, le truc qui sert trois fois par an. Ah, on aurait le temps, on pourrait faire la fête, hein. On a des endroits pour. Hein. Tu vois, la moitié de la semaine, on pourrait faire la fête, hein. Et l'autre moitié, on travaille un peu pour le système, chacun son tour. Bah oui, hein. Avec tout ce qu'on a construit en France et tout ce qu'on construit. Voilà, on est jeudi, c'est vide. Les belles autoroutes. Par contre, il y a de la voiture et du camion. Ah, en arrivant au milieu de journée, les gens commencent à finir le boulot. Ça y est, on est sorti de l'autoroute. Enfin, les petites routes comme j'aime bien.
Voilà, donc je vais pas beaucoup pouvoir filmer parce que ça demande un peu de concentration et d'avoir les mains sur le volant et le levier de vitesse. Mais voilà, un petit peu. Ah, là, on est dans de la culture un peu moins monoculture, vu la gueule des champs. De toute façon, vu les pentes, les tracteurs, c'est un peu moins pratique. Bon, allez, je me mets sur la conduite. Dernière image du paysage. On traverse encore une fois l'Allier. C'est un bon Allier. Comme en général, j'aime bien rentabiliser les kilomètres en voiture ou en camion. C'est là en l'occurrence avec mon beau camion. En vrai, je vais pas juste voir mon copain Gérald. Je vais d'abord vider mon camion qui est rempli de cartons parce que ma vie familiale est en train de changer. Du coup, il faut faire un peu de place et il y a des choses qui vont dans la famille à côté de Clermont-Ferrand. Du coup, c'est pour ça que je vais voir mon ami Gérald. Voilà, on fait d'une pierre deux coups, trois coups, quatre coups même. Parce que je ne vous dis pas tout quand même. On a le droit à une vie privée, il paraît. Tous les hommes politiques en parlent. Surtout au sujet de leur compte en banque. Bon, moi, on va pas parler de mon compte en banque. Hein. Évidemment, pour l'instant, le compte en banque est un sujet tabou. Direction Clermont-Ferrand pour aller rejoindre mon cher ami Gérald. Allez, let's go. Bon, je filme pas trop parce que ça sert à rien, il fait nuit. Allez, direction le bar Le Régent, si j'ai bien tout noté, à Clermont-Ferrand. Voilà, à destination devant le bar Le Régent à Clermont-Ferrand. Alors, je suis en train de repartir de Clermont. Voilà, le week-end est fini. Du coup, là, je ne sais pas si je vais à droite ou en face, mais à droite, je pense. Ouais. Là, du coup, vous pouvez voir le magnifique zénith qu'on a vu un petit peu avant dans la vidéo que j'ai filmé hier. Ce magnifique zénith en forme de volcan. N'importe quoi. Les architectes prennent de la drogue. Moi, je vous le dis. Je vous le dis, les architectes prennent de la drogue. Voici le zénith des monts d'Auvergne. Du coup, il ressemble à un mont d'Auvergne. Regarde, il y a le même en vrai en face. Hop. Mont d'Auvergne. Zénith, mont d'Auvergne. Ok. Même la guérite ressemble à un petit volcan. Hein? Même le point d'accueil ressemble à un petit volcan. Ouais, sérieux. Ces mecs-là se droguent, moi je vous le dis. Ces mecs-là se droguent. Il y a des choses qui devraient être interdites. Voilà. Hein? Ça, c'est le zénith des monts d'Auvergne. Et c'est vide. Encore un des ponts inutiles. Une infrastructure pour une route qui n'existera peut-être jamais. C'est beau la France. Ouais, je les ai pas tous filmés le long de la N7. Voilà, il y en a un, mais il y a quand même une petite route qui passe dessus. Ouais, j'ai pas filmé toutes les constructions comme ça sur cette route. Mais là, on peut voir un peu l'abandon de nos campagnes. Là, il y avait des belles maisons, des choses sympathiques. Oh tiens, des vaches. Des vaches en liberté.
liberté. Au grand air, on va dire. Mais vache en liberté, ça n'existe pas. Et encore des travaux. Ah, les vaches, elles doivent peut-être se ranger là-dedans le soir. Hop, ces vaches, tu laisses pas traîner comme ça non plus. Hein. C'est fragile, une vache. Hein? Puis ça coûte cher. Hein? Bah oui, ça rapporte pas grand-chose. Des travaux... Encore un graffiti. Elle a un pont tout neuf, il y a déjà des graffitis. France, pays du graffiti. Encore du graffiti, je les ai pas tous faits. Il y en a un paquet. France numéro 1 sur le graffiti. Alors, je vais pouvoir vous montrer le fameux panneau, l'autoroute de l'arbre. Voilà, on est sur l'autoroute de l'arbre. C'est magnifique quand même. C'est beau le greenwashing. Hein? Allez. On arrive à la gare de péage de Mienne. Bientôt à la maison. Ouais. Dans 1 heure et quelques, je serai chez moi. Dans ma belle région de Seine-et-Marne. Ouais, je sais pas à quoi ressemblera le son, parce qu'il y a le vent qui souffle, qui s'accroche dans la galerie depuis le début du trajet. Ouais, c'est l'aventure, quoi. On arrive au péage, ouais, va falloir payer. Paye. On pourrait faire une chanson comme ça. Paye, faut que tu payes. Que tu payes, toujours que tu payes. La belle centrale nucléaire. Oh, comme c'est beau le nucléaire. Ça fait pas de nuages, non, ça fait rien du tout, pas d'impact. Non, ça pollue pas du tout. La fumée n'est pas dangereuse. Alors voilà, on va faire une petite pause à l'air du jardin des arbres. Comme ça, j'en profite pour avoir vraiment correctement le bel arbre en métal. C'est beau. Je vais doubler cette voiture avec mon camion pour 1 km. Bon, allez. Wow. En avant l'aventure. Oh, encore un bel arbre. Ah, je sais pas combien il y en a. Je sais pas pour combien il y en a d'arbres. Ouais. Un pin pleureur. Ah ouais, il y en a partout. Allez, petite pause avant la dernière ligne droite, avant d'être à la maison. Alors mon voyage touche à sa fin. C'est la dernière gare de péage. J'arrive en région de Fontainebleau. Ouais, je suis presque à la maison. Voilà, je vais conclure ma vidéo comme ça. Si ça t'a plu, bah t'hésites pas à mettre un petit pouce bleu.
hein, parce que ça fait du bien les petits pouces bleus, t'hésites pas à t'abonner. Et puis bah si tu veux voir le concert de Gérald, et ben abonne-toi à la chaîne quoi, tu l'auras bientôt. Voilà, on arrive au péage. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Cette petite vidéo venteuse, je pense qu'on va entendre le vent tout le long de la vidéo. J'espère que je pourrai en faire quelque chose. On va finir pour de vrai cette vidéo avec l'air de Nemours, parce que j'aime bien cet air, elle est rigolote. Enfin, l'air de Darvaux ou air de Nemours, parce que le restaurant est sur un pont restaurant. Voilà, tu as une galerie où tu peux manger en regardant les voitures passer. Quand t'as passé des heures à faire de la route, c'est génial. Tiens, j'en ai marre des voitures, je vais aller regarder des voitures. Allez. Bonne route.